Alain Chanouk, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de l'interview du vendredi encore une fois. Alors, il y a quelques jours, je fais à Saint-Valentin, on pointe tout ça, mais nous avons l'occasion de trouver un pays où travail. Alors, objectif atteint, on pensait avec au lieu d'une flèche, puis d'un conseil, la sécurité routière. Et définitivement, l'objectif inatteint parce que la fête de la Saint-Valentin, c'est une fête qui mobilise beaucoup de monde, et surtout beaucoup de jeunes. Et là, nous pouvons causer un thème qui a affecté tout le monde, qui tout le monde comprend, le thème de l'amour. Mais seulement, malheureusement, le monde ne comprend pas vraiment qui est le sens profond de l'amour. Si vous comptez un monde, ou bien protéger du monde là, non, si vous comptez du monde, ou envie amener la route de ça du monde là. Mais puis, ou quand amener la route de ça du monde là, il faut ou envie et il faut du monde là aussi envie. Mais si du monde là fini mollo aussi, mais qui la route pour amener en lui. Voilà, fini. Vous finissez, vous dire, ou fini, ou t'es pas là même. Alors, le thème même, le slogan même, c'était ma priorité, ta sécurité. Et ça, il applique pas seulement la route, hein, il applique la route de la vie aussi, ça. Ou pas capable, comme dire, on peut contrôler du monde, on peut exposer à toutes sortes de qualités de risque. Parce qu'il est la qualité de vie là même, là, pour compromis. L'année 2016, nous, est-ce que nous avons dit, c'était une année noire? Ou une année un peu gris-noir? Je peux dire, honnêtement, l'année 2016, il nous trouve une hausse du nombre de fatalités dans la route. Ok? Mais seulement le temps nous guette par rapport en fonction au nombre de véhicules et en fonction au nombre d'habitants et aussi par rapport au nombre de touristes qui peuvent visiter nous. Quand nous guette froidement au niveau, comment dire, chiffre pour chiffre, nous trouvons qu'il y a une stabilisation par rapport aux autres années. Ça veut dire que ce taux de fatalité là, il peut tourner autour de 11,4 pour 100 000 habitants. Et le taux de fatalité par nombre de véhicules, l'IP tourne autour de 3 par 10 000 véhicules. L'IP reste plus ou moins stable. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il comme dit, est correct là. Ce n'est pas stabilité qui te dit que tu peux rouler. Tu une chute. Une baisse de bonne fatalité. Et donc, pour une baisse de bonne fatalité là, tout bon stakeholders, tout bon acteur de la sécurité routière, y compris tout bon usager de la route, avons nous besoin de mettre un effort, chacun d'entre nous, pour qu'il nous capable de faire tout ça par accident là. Qui fait? Parce qu'un accident n'arrive jamais par accident, on déjà dit où ça. Et si tout le monde, chacun met un petit effort, faire un petit effort, nous pour arriver à trouver une baisse de bon accident. Qui est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire en tant que piéton, motocycliste, bicyclette, chauffeur camion, chauffeur professionnel. Toutes sortes de qualités et efforts qu'on a pour faire. Je peux donner une simple indication de l'indiscipline qui peut régner dans la route. Et ça, dans les statistiques Mauritius, pas pour cause mentir, je ne peux pas inventer, pas pour rien ça. Right? Chaque 2 minutes qui passent dans la route, et la police peut prendre une contravention, un malin, qui peut faire un entour sur le côté de la route. Mais quand nous peut aller, ça c'est ce qui bat la police, peut trapper ça. Parce que, vous ne pouvez pas mettre, il y a à peu près 14 000 la police dans Maurice. Vous ne pouvez pas mettre 14 000 la police derrière. 1 million, non, il y a 500 000 l'auto qui est 14 000 l'auto. Derrière 1 million 260 000 d'immunes. Vous comprenez? Ça veut dire ça va une indiscipline qui peut dérouler dans la route là. Mais il semblerait qu'il n'y pas peut baisser. Il peut continuer même, il peut même, comme on dit, augmenter. Mais nous donnons un deuxième exemple. Tous les 5 minutes, il y a un chauffeur qui peut briller la limite de vitesse. Tous les 5 minutes, je peux dire où ça, hein? Ça c'est qui caméra est trappée. Mais ça c'est caméra pas peut trapper. Je dis qui peut jouer cocaïne au la route qui peut dans la caméra. Mais d'après où la limite de vitesse, ils mettent comment dire pour faire joli ça. Ils ne mettent pas pour faire joli ça. Parce qu'ils réalisent bien. Si l'auto peut rouler à 80 km/h et qu'il a sa vitesse, ça, il tape avec un pied. C'est exactement comment dire, lui et son occupant, il sape depuis un bâtiment 8 étages, il tombe. À ce là, si il n'a pas de médecin, plus maillé encore.
comment dire un projectile ça, comment dire banan n'exote pour al divan une vitesse extraordinaire pour al crash pour là, mais c'est la mort, comprends? Si ça ban comportement là continue, mais moi bien ça craint accident pour continuer, bah, et malheur pour continuer. Oui. Quand passer, quand vous aimez repasser, tout à l'heure même du monde le portable, vous êtes tourné, vous êtes à l'aise dans votre lutte. Oui, la technologie moderne, il vient d'un danger prépondérant pour la route. Qui fait? Parce que, il tire nous l'attention, l'eau nous voyage. Oh, la route, c'est un espace dangereux. Où l'est ou parler comme ça? Right? À n'importe quel moment, où il y a un imprévu. Ok, et donc tout bon sens bien éveillé, concentré sur la route là pour qu'il vous évite imprévu et pour qu'il vous pas créé imprévu. Au téléphone portable, MP3, tout ça bon dispositif technologique là, il pour capter une partie de bon sens. Quand ou le téléphone portable, disons ou peut conduire, ou en a au sens de lui qui compromis et comment dire parfois ou en a aussi au sens de la vue, parce que vous pouvez tout l'écran téléphone, vous pouvez plus intéresser avec vos SMS, vous pouvez intéresser de ce qui peut passer sur la route. Oh, si vous gagnez un coup de téléphone, vous pouvez rouler à 110 km sur l'autoroute. Vous gagnez un coup de téléphone, vous pouvez assister ou prendre un téléphone là, vous dites, hey, c'est pas de un coup, ne serait-ce qu'une seconde, vous dites que ça n'a pas appel moi, après, vous rappelez. Mais ça, une seconde que vous avez tout téléphone là, ou l'auto, pour rouler 30 mètres sans aucun contrôle. Ça veut dire qu'ils prennent l'auto full sur la route, loin une distance de 30 mètres, à une vitesse de 110 km. Il y a un grand accident qui est arrivé comme ça. Et ça, comment dire, Banat appelle ça homicide involontaire. Mais quelque part, ça dit que il n'est pas un imbécile, il n'est pas réalisé que quand il peut get sa téléphone, là, même s'il n'est pas une sortie pour lui faire un accident, pour lui tuer du monde, ou soit pour lui commettre un suicide. Mais quelque part, il n'est pas un imbécile. Lui. Quand il roule à sa vitesse, ça, il fait une collision. Mais il connaît qu'il y en a malheur. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il nous bizarre tout le temps créer une sensibilisation par rapport à ça. Et on dit vous concentrez beaucoup sur le chauffeur. Il y a aussi un motocycliste, il y a aussi un piéton. Nous prenons le piéton parce qu'on peut cause SMS, portable, parfois je peux traverser, mais je peux quitter même si je peux quitter le portable. Quand on trompe d'écoute, je peux quitter une manière, comment dire, je dérange. Je jouerai tout. Mon invite Sambola, mais vous pouvez aller, parfois vous avez un joli flair. Donc, la discipline n'est pas, nous portons tout le temps l'attention à l'urban. Chauffeur. Le bon chauffeur. Mais nous ne pouvons pas piquer le bon du monde qui peut mort. Ce qui peut traverser les mains, c'est avec ce portable de la main, je peux rire, mon parent qui peut faire. Nous visons pour l'attention beaucoup le bon piéton. D'ailleurs, il y a une carence à ce niveau-là. Parce qu'il y a tout un arsenal légal par rapport à un piéton dans un pays que tu trouves une performance au niveau de la sécurité routière qui est extraordinaire. Parce que, par exemple, un pays comme le Hong Kong, que tu peux gagner 1,5 par 100 000 habitants. Dans un pays comme Singapour, que tu peux gagner 3 victimes par 100 000 habitants. Là-bas, où il y a un cadre légal, vous n'avez pas le droit de traverser ce que vous avez envie. Vous n'avez pas obligé de servir une infrastructure qui est à votre disposition. Et je bien pensé que, comment dire, traverser n'importe comment avec PAV et SMS, je peux gagner la main. Hein. Je pourrais ajouter la main. Justement, tu es dans l'époque, tu peux dire cette histoire. Après un seul coup, avec la pression populaire, moi, tu veux que le gouvernement, lequel qui était en place, n'est pas en place, je n'avais fait un recul par rapport à tout ça, parce que c'est une propulsion. Non, mon papa, on sait qu'il est vraiment une question de pression populaire. Mon papa, on sait qu'il banne autorité dans cette sagesse, son réalisé, qui, comment dire, l'eau 2300 km la route, nous payons sa quantité, comment dire, infrastructure à la disposition des piétons pour qu'ils nous cavent un peu. Je, par exemple, je bisais tout le temps pour traverser une crossière. Parce que qui quand c'est crossière, nous sommes à Maurice. Nous payons ça autant crossière là. Mais côté de la crossière là, je bisais traverser le crossière là.
Mais tandis qu'il y a beaucoup de les autres pays étrangers, quand je peux ban la loi comme ça, j'ai un dispositif à la disposition de sa man dimoun là. Donc c'est la surprise moi là. Nous mettons les trônes, nous mettons main courante, c'est-à-dire que nous obligé de suivre main courante là, et nous connaissons l'autofoot quand on passe dans la coupe grille de sécurité. Oui, ça par exemple, l'autoroute, nous devons trouver une solution, comment dire, dans les plus brefs délais. Parce qu'il y a trop beaucoup de monde qui mort et blessé l'autoroute. Et nous pensons faire un appel aussi à l'autorité concernée pour multiplier le nombre de flyovers. L'autoroute est une facilité pour qu'il ne pas traverser l'autoroute. Mais quand il y a un flyover là, bizarre comment dire sécurise ce flyover là. Parce que le point là, il y a des gens qui disent bon, joli, mais flyover, mais il y a des affaires qui passaient à l'intérieur. Les collégiens, il y a des gens qui avaient reçu l'auto, je ne veux pas sentir les autres en sécurité. Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui tiennent prétexte. Mais c'est moi, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pensez que c'est pour une bonne affaire, il n'est pas pour coûter non rien, d'ailleurs il n'est pas pour coûter le prix d'une vie, parce que je peux dire que les 5 dernières années, il y a une moyenne de 3 à 4 personnes qui mourent l'autoroute, en traversant l'autoroute, mais il n'est pas possible. C'est tous les ans, ça je peux dire, ouais. C'est tous les ans. Et si, je vous pose la question, est-ce que le Mauricien est en retard ou bien il est pressé? Parce qu'on a l'impression qu'il est indiscipliné, c'est tout. Il y a une tracé à lui. Bah, ou quoi, bah, crook, les bisins atteignent son but. Les bisins sortent en retard, mais les bisins arrivent dans l'air, travail ou même un petit peu avant. Pour être capable de manger, faire son manne affaire, etc. Faut pas dire tout le monde comme ça, mais il y a un petit peu dans la mentalité même qui dit comme ça. Mais comment vous avec l'association qui appelle Pratt, je peux essayer, comment dire, je peux attaquer le collège depuis quelques temps, je peux tourner un peu dans le point de ça, deuxième activité à l'école Henri Souchon. Donc, Banjen, tu ne sais pas, mais ça, ou bien j'ai une période relax, non, je, relax. Non, mais comment tu trouves l'outil là où? Vous ne connaissez pas. C'est maîtresse de cola, les maîtresses de cola débutent, puis dire bon, la sécurité, ce n'est pas l'eau, mais il y en a dans bis, nous rentrons dans bis. Oui, oui, non, là. Là, on trouve, là, le policier. Caporal Chaton. Chaton, là, il joue un peu l'étonnement, mais moi aussi, je le connais. Parce que ça, ou il y a une bis qui a de la collège là, mais si vous ne faites pas attention, soit vous avez un canet, une boisson gazeuse là, ou bien vous trouvez un papier, un chocolat qui peut sortir de la bis là. Ben, c'est une discipline. Est-ce que vous pensez, là, on reste tous au cœur du problème, c'est-à-dire la discipline en eux-mêmes? Oui, vous connaissez, c'est pour ça que, comment dire, nous choisir un de l'école en qui nous travaille de façon soutenue. Parce que si vous pouvez faire un one shot ou aller, il n'est pas pour servir non rien, parce qu'il n'est pas pour imprimer dans la tête des enfants. Là, il y a 225 enfants dans le point de ça. C'est la quatrième fois que je visite à l'école là. Et je dis que nous affaires, je te rappelle toutes les fois ce que nous faisons dans une fois précédente. La dernière fois quand on allait, le temps toute activité est finie. Le temps où je quitte l'école, je peux aller, les enfants disent bonne route, monsieur. Qui fait ça, dire ça? Parce que la dernière fois, il y a 3-4 semaines de cela, les temps où tu viens, tu distribues le calendrier bonne route. Nous expliquons le bien fondé de sa formule de politesse là, qui n'est pas juste une formule de politesse, mais il y a aussi un avertissement qui vient dire que la route pourrait ne pas être bonne aussi. Alors, ça va nous enfant là, les temps où je dis bonne route, monsieur, je dis ça extraordinaire parce que je me rappelle ce que tu dis. Alors, je peux finir de trouver que dans la case aussi, je peux pratiquer ça. Et je te dis encourageant. Et toujours, nous peux revenir au même thème qui nous discutait avant. Pour faire une refresher course. Un refresher. Et je trouve qu'il peut marcher. C'est moi, nous adapter nos petits programmes pédagogiques à niveau des enfants, nous adapter à langage aussi. Parce que nous n'avons pas une cause bel anglais, bel français, et bandimoun qui, comment dire, sont beaucoup plus à l'aise dans la langue créole. Alors nous pouvons cause créole même en jeu. M.
Mais est-ce que la maîtresse d'école, par exemple, fait un suivi, dit bon, on connaît assez tous les enfants, puis discipliné dans l'école, n'est plus gagné des droits, si ben, problème qui tient, le nombre de problèmes, de soucis, de sécurité routière, une amoindrie, ou bien situation toujours pareille. Dans le collège, on connaît toujours des droits à la tête de qui pas plus changer, mais on the overall, la situation d'un point de ça, une changée. Nous pas encore évaluer ça. Pas l'air pour évaluer, 4 visites, il y a l'air pour évaluer là. Nous pas encore évaluer, je pense que je vais suivre un peu au conseil. Pour passer là-bas la prochaine fois, nous pouvons être bien probablement, nous pouvons aller dans le cadre des fêtes nationales. Qui met ça à 5 ou 6 ans? Vous avez une veille dans la soirée conseil? Non. Nous pays, nous la vie. Regarde ça, nous sommes un seul pays. Un seul la vie. Nous sommes un seul la vie. Le slogan nous pays nous la vie il pour toujours parce que get ça n'importe qui côté un Mauricien aller quand même il peut évoluer dans l'Australie, il peut évoluer dans l'Europe, n'importe qui côté il évolue, il reste un Mauricien. Comment les tant créole, les tant du monde créole, il vient sur la tête. Oui. Comment les tant un Sega, ils sont ils différents. Comprends, le Mauricien c'est une race qui est bien content ce pays. Et comme tout le monde, il est content sur la vie aussi. Donc, nous avons calculé que nous avons un petit réseau routier, 2300 km. Un petit réseau routier, il n'y a pas une belle deal, non, rien ça. Mais il sécurise ce réseau routier là. Il dépend de qui volonté nous avons. Qui volonté nous avons pour qui, comment dire, quand nous fatigués, nous ne pas conduire. Qui volonté nous avons pour qui nous pas. Pour qu'ils nous respectent les limites de vitesse. Qui volonté nous est là pour qu'ils nous vigilent sur la route. Qui volonté nous est là pour qu'ils nous passent un téléphone portable quand nous conduisons. Qui volonté nous est là pour qu'ils nous mettent nos îlets rétro-réfléchissants quand nous roulons nous des roues motorisées à soir. Bon, mais nous existe sur sa route là. Je ne vais pas parler sur roule à soir, mais comment mon roulé, je vais dire un bon tir, après c'est la moitié, n'est plus mes tirs. Qui si qui ban biker mon définition comme ban biker des autres qui le mobilier qui ça nous tout ban c'est tout ban jeune ban du mon âge des autres correct je te mettais parce que je pense que c'est tant qui ban jeune c'est un peu modélien moi je n'ai pas confort pas mal. Oui non mais là Livin une question de sensibilisation mais Livin aussi une question de enforcement. Qui fait un peu mettre ça? Parce que quand on met un gilet rétro-réfléchissant ou visible à 140 mètres par l'effort d'un véhicule. Au dans Maurice, nous avons une facilité, comme on a dit, écoute, il y a une ligne séparée pour des roues motorisées. Il y a un mix trafic où un piéton, des roues, tout peut partager la chaussée avec tout le monde. Donc, nous avons fait attention, comme on a dit, nous sommes capables de reconnaître un monde qui peut rouler dans l'auto, il est capable de reconnaître un des roues devant lui parce qu'il y a un des roues. Motorisé. Il 25 fois plus à risque qu'un 4 roues. Donc, il est obligé de repérer lui à soi. Il y a beaucoup d'accidents de roues motorisées qui déroulaient dans l'obscurité. Mais si vous n'êtes pas visible, vous pouvez tasser. Vous pouvez tasser. Mais la question d'amende aussi, quand on trouve l'amende dépasse 1000 roupies, c'est peanuts. Je viens de dire qu'il y a un peu peanuts. Non, mais là, si là nous 10 000 roupies, je pense que quelques jeunes ont une contravention à 5 000 roupies, je ne sais pas réponse aussi. Je pense qu'il y a une question de enforcement, mais il y a aussi une question d'éducation. Parce que si on a des comptes sur la vie, il y a un offre de délit. Qui fait qu'il ne peut pas mettre ça, il est là, parce qu'il peut gagner une facilité. Mais c'est moi qui expose, montre lui quand il met ça, il est là, qui sont pertinence. Il peut comprendre, il peut mettre lui. Après, il y a le problème, ça bon gilet rétro-réfléchissant là, il y a un petit peu plus cher. Donc, il y a souhaitable qu'il y en a, comment dire, un petit sponsorisation, un petit subvention, le bandilet de bonne qualité. Peut-être qu'à l'avenir, étant donné qu'il nous y a une flotte de 200 000 motocyclettes, peut-être qu'à l'avenir, qu'il y a, comment dire, contempler une possibilité qui a ce bandilet là que chez les agents agréés pour vendre sa qualité gilet là. Pas celui-là, pas celui n'importe qui, l'ambassadeur, n'importe la foi. Oui, parce que ça, c'est pas un badinage, ça. Nous devons protéger la vie, là, vous comprenez. Alors, nous disons, comment dire, il y a un système. Comment dire, ou pas capable d'acheter pièce le tout dans le côté de gâteau. Il n'y a pas de pièce le tout. Non, il n'y a pas de cause, vous comment dire, il y a des gens qui vendent ça.
je besoin un man agent agréé et ça man gilet qui peut vendre là, il besoin répondre à certains standards et besoin vérifier que ça standard là respecté. Tous les ans quand on est un peu, quand on roule, on est un peu ban plaque numéro, il y en a au moins 7000 motocyclettes, 10000 autos, 17000, ça veut dire combien de nouveaux chauffeurs nous peut penser. Donc vous connaissez techniquement par an, il y a une augmentation de la flotte de 5% environ tous les ans. Il y a 5, comme on dit là par exemple, il y a 500 000. Moi cause machine neuf là, moi pas cause recondition. C'est-à-dire qu'on gagne. Non, moi pas cause pour recondition ou neuf, on peut cause globalement, il y a 500 000 machines dans la route Maurice, comme on cause machine, moi pas cause motocyclette, l'autobus, etc. Là, tous les ans, comme on dit, il y a une tendance qui a une augmentation de 5% de la flotte. Ça veut dire que nous pouvons attendre nous qui en janvier, pour une 5% de 500 000, ça veut dire que nous sommes capables de gagner une augmentation de 25 000 chauffeurs, on peut dire, oui, mais comment dire, de véhicules. Et manifestement, chauffeurs aussi. Nous connaissons que dans ça, motocycliste, et dernière question, nous causons un peu de signaux parce que dans vos bassins, dans la ville, là, il traverse des bis, malheureusement, il perd sur la vie. Ban signaux aussi, bien, occupez-vous à si c'est un nouveau lac. Non, ban signaux, c'est un problème grandissant et nous pouvons réaliser qu'il y a 6 victimes l'eau 10 et une tendance, 6 victimes piétons l'eau 10, c'est ban personne qui est âgée de 60 ans ou plus. Donc, ban signaux, je circule beaucoup, je gagne transport gratuit, etc. Je circule beaucoup, mais je ne pas penser qu'il m'a dit je suis prêt, qu'il m'a dit je suis assez sensibilisé par rapport à la route. Et puis aussi, il y a un signaux, il peut avoir le même réflexe qu'il y a un dimon qui est moins âgé. Donc, tout ça, je fait là, bien sensibilisé. Et ban personne aussi qui a pu rouler, je peux imaginer qu'il y a un qui commande personne âgée devant eux, je besoin beaucoup plus vigilant et je besoin faire attention, calculer qui par exemple, ça dit mon là capable d'avoir une réaction erratique. Quand il saute semaine, il est capable tout de suite il peut retourner l'eau ce pas. Ou soit quand il saute semaine, il prend plus beaucoup de temps pour lui sauter. Et il y a toutes sortes de qualités de situation qui ou qui a joint avec un signal. Et donc vous êtes paré pour ça. Et ban parents aussi, ban relatives aussi de ban signaux, je suis capable, comment dire, recommander ban grand monde et même parfois même insister, accompagner sa ban grand monde là quand je perds la boutique, quand capable, hein, pas dire tout le quand temps. Quand traverse chemin. Quand traverse chemin, etc. Bien, comment dire, un espèce de réflexe citoyen, comment dire, quand nous trouvons un grand monde, nous aider, mais c'est un réflexe qui, on peut dire, qui petit à petit peut perdre et qui bisait remettre au goût du jour parce qu'il peut beaucoup de souffrance, beaucoup de grand monde. Actuellement, au terrain, on peut mettre un peu de bonne rôle, au marché battre, à l'ostanesse, qui on constate. Vous êtes un peu plus dissipé ou bien c'est toujours la même chose? Enfin, dissipé, je ne suis pas capable de dire que les pèlerins sont dissipés. Comment vous dire? Je peux faire la prière, être fervent, je peux marcher. Au contraire, nous sommes contents qu'il en Maurice. Tout le temps, il y a du monde fait la prière, c'est ça qui garde, comment dire, l'unité, l'harmonie, la paix dans ce pays-là. Mais d'autre part, bien évidemment, quand on voit un piéton, vous imaginez qu'on peut partager la route avec un véhicule et qui peut-être qu'il y a les autres du monde, les autres pas dans le pèlerinage. Alors, toujours, ban norme de discipline y appliqué à n'importe quel moment et ban du monde. Qui part en pèlerinage, hein, c'est bizarre calculer qui s'appelle pèlerinage, ça peut dire un jour, deux jours, qui sont bizarres, un peu patients. Nous pas capables de hard and force, sa qualité là, parce que nous pouvons vivre dans Maurice, hein. Nous avons une certaine tolérance, mais bien évidemment, tout à fait, il y a une modération, tout à fait, il y a une sagesse qui bizarre observer. Avec mais quand nous dans ce cadre là, laissez-moi permettre, souhaite ban pèlerin, un pieux marche varatrice surtout, qui tout passe bien le chemin. Et surtout qui ont la prière pour ses fruits et aussi faire attention parce que pèlerin ou pas, si comme si ou pas visible, si comme si ou peut marcher bon avenir et qui ça l'autre personne qui peut rouler là, ici
Les papiers prennent compte, mais capable d'avoir un malheur, il arrive certains malheurs au cours de ban pèlerinage. Mais c'est une occasion, c'est une visibilité pour Prat. C'est-à-dire, vous pouvez mettre un bon rôle, c'est. Oui, mais donc, nous permettons un bon rôle, nous pouvons souhaiter ban pèlerin un pieux marche baratri en toute sécurité. Et évidemment, nous pouvons participer aussi. Parce qu'il y en a un hindou aussi qui dans nos associations qui a pu marcher dans marche baratrie et qui je sensibilise le ban co-religionnaire. Et dernière question à la jeune homme, ou bien pressé, Mounier dans la presse, où tu peux jeter les ponts, ou peut répondre. Non, on connaît, c'était un boutade ça. Donc, causer comme ça, mon pensée, journaliste ça, il riait après parce que bon, nous n'arrivons à comprendre que. Donc, je me disais, hey, si ça continue comme ça, on ne va pas arrêter moi. Hein. Mais il apprend ça sérieux. Vous comprenez? Et là, on dit, hey, tu peux badiner. Mais non, vous connaissez, c'est un engagement, Jean-Claude, vous connaissez même depuis 2005, moi là-dedans, tout seul, et 2011, moi fais association. Right? Depuis 2005, moi peux rouler même. Mais pas aujourd'hui, qui m'a parlé de les plonges quand nous peut trouver le résultat. Hein? Alain Janon, merci beaucoup. Non, c'est moi bonne qui remercie. Comment vous dire, comme bonne route. Non, bonne route à vous aussi, parce que vous faites un rappel de la motocyclette. Oui, oui. Mon petit, n'est-ce pas où est-ce que vous êtes là? Oui, il y a un beau bourse. Vous pouvez vérifier. Bonne route à vous et bonne route à toute la population.